Traffic Branch, ça fait 2 mois de cela. Et moi, j'ai 1 an 8 mois de service de la force policière. Franchement, moi, vraiment préfère faire aujourd'hui. Puis, un rider, tout le temps, c'est mauvais pour un rider. Et tout le temps, comme on est un policier, moi, j'ai dit, qui fait un moment, moi, quand je fais avec ma vie. Mais franchement, c'est vraiment super. Et aussi, tout un policier qui est intéressé pour le rider, moi, encourage beaucoup parce que c'est vraiment un travail très bon. Et nous ne travaillons pas au milieu d'une équipe, nous ne travaillons pas seuls nos chemins, nous ne travaillons pas au milieu d'équipe. Et nous avons un policier et une nouvelle policière. On, l'équipe, ça passe vraiment très bien. Même au même public aussi, même public vraiment bien gentil avec nous. Vous êtes coopérés avec nous, ben, on travaille sur plus tout. C'est bien nos France, comme ce serait si Ndjimouni va nous mettre cette sueur ou les roules brides. On postait à la Traffic Branch depuis 1 an, mais à la TES depuis 2 mois. On peut vivre l'expérience là bien parce que je suis passionnée de moto et tout le temps je suis en train de faire. Depuis, je me rappelle depuis quand je suis allée pour rentrer à la police, le constable c'est de maman qui fait mon envie de la police. Moi, je dis, mon rêve c'est de devenir rider. Et aujourd'hui, je suis de 4 ans déjà, voilà, tu aurais vu une réalité. Finalement, je suis là pour une fois que peut-être que tu vas mettre un tuyau au chemin comme si comme rider. Mais sinon, je ne peux pas arriver. De toute façon, mon côté. L'expérience est pareille parce qu'on fait le même travail. C'était à la Traffic Branch, ça fait déjà 2 mois. Je n'ai que 1 an 8 mois de service. Moi, je suis fière qu'ils m'ont laissé rentrer là parce qu'ils m'ont fait rentrer, ils m'ont fait rentrer dans la force policière et maintenant, je suis rentrée là. Pour moi, je trouve ça, je suis marie contente. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont encouragée parce que. Vu qu'ils m'ont commandé pour tester, pourquoi on va essayer de faire l'application. Et nous constituons une équipe de filles et garçons. Et nous patrouillons ensemble. Nous faisons le même boulot. Un jour effectivement très très important pour Bonne Madame. Visant reconnaître les efforts qu'on peut faire. Pour que justement nous puissions sa barrière de gender dans le monde du travail. Alors aujourd'hui, mon ministère nous a envie de reconnaître et valorise sa 10 madame là. Nous avons 10 madame qui est nommée comme moteur de première à l'île Maurice. Nous avons une madame cadet inspecteur et nous avons 4 madame pompières. Donc je crois que c'est un moment historique, c'est un jour historique et qui au niveau du ministère nous fait encourager ça pour qu'il y ait d'autres domaines que Bizaina et madame et monsieur qui peut travailler. Mais surtout, me faire une plaidoirie qui, dans d'autres secteurs, nous emboîte le pas dans comment être là, dans pompier et aussi dans la force policière, pour nous donner la chance et reconnaître la compétence de madame.